l'énergie, la joie de vivre, aucune vulgarité. Drôle, charmant, sourire. Ça fait beaucoup plus que 3, ça. Hein. Et alors moi, je dirais qu'elle est libre, je dirais qu'elle est poétique et je dirais qu'elle est fantaisiste. Tu as raison. On est d'accord. Zorro. Linette, c'est Zorro. C'est une mamie Zorro. Non, mais c'est vrai. Oui, bah oui. Elle, Zorro arrivait, il arrangeait tous les problèmes. C'est Zorro. Moi, mon héros préféré, c'est Casimir. Alors voilà, moi, ça a toujours été Casimir. Et j'ai encore un Casimir, le Casimir de mon enfance, dans mon bureau. Et j'ai toujours une passion pour Casimir. Et j'ai rencontré le vrai Casimir et je l'ai pris dans mes bras et je l'ai embrassé. Oui. Et il t'a embrassé? Oui, aussi. Je voudrais bien savoir s'il y a une vie ailleurs. Alors bon, peut-être que les astronautes la trouveront, mais je ne parle pas de celle-là. Une autre vie. Vivre ce que, comme je vis dans la vie maintenant, si je vais la trouver ailleurs aussi. Peut-être. Et moi, ce serait le voyage dans le temps. J'adorerais, j'ai une grande passion pour l'histoire, et j'adorerais remonter le temps. Une personne que je ne connais pas, je ne suis pas certaine qu'elle existe et pourtant j'aimerais tellement la rencontrer, la voir, que c'est du vrai, c'est le bon Dieu. Ben c'est marrant parce que moi j'ai exactement la même curiosité, effectivement moi c'est aussi Dieu et j'ai deux trois trucs à lui dire aussi, mais j'ai peur qu'il se débine au dernier moment et qu'il se défausse du rendez-vous finalement. Celui qui vient de mon arrière-grand-mère, qui est passé dans les lèvres de ma grand-mère et puis qui m'a bercé ma mère avec ce mot « putsch ». Petit putsch, mon petit putsch. C'est un peu, je crois, les Flandres. Putsch, putschinette, ma putsch, ma petite putsch, voilà. Et moi, ce serait poussin, parce qu'un poussin, c'est jaune, c'est doux et c'est plein de promesses. J'adore le mot poussin.